Eh bien, salut tout le monde, comment ça va? J'ai bugué dès le début, et oui, parce que j'avais une idée de ce que je voulais dire. Mais comme vous l'attendiez tous, on l'attendait même plus d'ailleurs, je parle bien du Pachyrhinosaure, mais pas celui de Ghost War, enfin, j'arrive plus à dire, ceux qui ont fait le Caprosucus, quoi. J'arrive plus à dire le nom de leur équipe de modding, mais. Le fameux Pachy de KTO que tout le monde attendait et que j'attendais d'ailleurs parce que c'est celui que je préférais des deux. Voilà. Même si les skins de l'autre sont sympas. Alors, on va tout de suite regarder les différences mâle-femelle. Ouais, les sous-espèces. Des petits poils, ok. Le fameux qui ressemble à Patchy dans le film sur la Terre des dinosaures, il me semble que c'est. Et donc voilà. Donc on va rester avec le basique. Alors. Je vais juste mettre le jour. Hein. On va tester sa démarche. Ouais, ok. Est-ce qu'il peut s'accroupir? Ouais. Bah après, ça n'a rien non plus d'extraordinaire. Hein. Ok. Et ben on va tout de suite tester les calls. Voilà, alors j'aime beaucoup les effets de fumée, enfin et de souffle qu'il y a sur les calls, sur certains calls, je trouve ça incroyable, c'est magnifique. C'est trop stylé. Donc on va regarder tout de suite les skins et les attaques. On va d'abord se mettre des marques, évidemment. Hop. Alors les skins, donc déjà le skin de base. Ok. Ouais, celui-là il est sympa. Celui-là j'aime bien. Je crois que celui-là, c'est celui qui irait avec lui. Avec ces motifs-là, ouais. J'ai l'impression. Celui-là, il est beau aussi. Ah, celui-là est magnifique.
celui-là est très beau, j'aime beaucoup la tête. Celui-ci aussi, et ils sont tous beaux. Hein. Même l'albino, je l'aime bien, il a un petit côté particulier, j'aime bien. Celui-ci aussi est très beau. Non, on avait dit les capacités. Donc niveau sens, comme d'hab, hein, je vous laisse le temps de faire pause. Waouh, il en a pas mal. Ah, ils ont même refait l'icône pour faire celle d'un Pachi pour l'occasion. Ça, c'est cool. Même l'icône pour bloquer, ils l'ont changé. Après, ouais, ça c'est des... C'est des capacités... Détail. Ah, il y a deux voies différentes. Voilà, pour ceux qui ont eu le temps de faire pause. Et donc, on va tout tester. À commencer. On va commencer par les attaques de mâchoire. D'accord, faut peut-être... Ok, faut maintenir appuyé. D'accord. Ouais. Niveau call. Ah, on peut les faire que en groupe, du coup. Ok. Et donc après, ça c'est une charge. Ok, donc ça c'est classique. Au niveau de la mâchoire, il y a plusieurs capacités qu'on n'a pas testées. D'accord. Donc. Ok. Alors, du coup. Ah, j'aime beaucoup l'animation. Ok, c'est un violent coup de tête. Ok, donc. Et ça. Ça, j'ai pas trop compris, mais. Quand je pense que c'est un truc qui te permet de tanker les dégâts aussi. Donc, ça, c'est un coup de tête également. D'accord, un stomp, et ça, c'est une autre charge, mais j'imagine que ça doit briser les os ou faire un truc comme ça. Ok, et il reste un coup de tête à avoir. Ok, ouais, donc ça, c'est un violent coup de tête. Et pour les calls, bah malheureusement, on peut pas les faire là. Mais donc du coup voilà. Eh ben écoutez les amis, c'est tout pour le testing du Pachyrhinosaure. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un abonnement, un commentaire et à partager. Ça fait toujours plaisir. Et sur ce, moi je vous dis à plus pour de prochaines vidéos.